Dans chaque groupe, qu'il soit ethnique ou social, il y a ce qu'on appelle communément un ou plusieurs boucs émissaires. Ces personnes occupent une fonction importante au sein de leur groupe. Elles sont la victime commune. Très cher journal, encore une journée qui s'est achevée par une visite du conteneur. Si jusque-là j'acceptais avec une certaine abnégation cette situation humiliante de bouc émissaire, je dois t'avouer que ce n'est plus le cas. Il est évident que... Je vais te défoncer le crâne, tiens, prends ça, espèce de... Pathétique brute sans la moindre imagination. S'il n'avait sa force physique, il ne posséderait rien du tout. Et pourtant, il est bien le dominant. Et nous, les dominés. Quand je dis nous, je parle de Jordan et moi. Jordan... Tête de ski copulant, tu fais moins le malin maintenant. C'est qui le plus fort, hein? C'est qui ton... Copain, mais bon, on peut décemment pas dire que j'ai choisi... Disons plutôt que ce sont les circonstances qui ont fait que nous nous sommes trouvés en tant que victimes du même tortionnaire. Ce terme peut paraître un peu fort pour le définir. Néanmoins, son comportement vis-à-vis de Jordan et de moi peut parfois s'apparenter à de la torture. Quoi ? Game over ? Trop pourri ce jeu ! Eh oui, mon très cher journal, tout comme la fonction de bouc émissaire semble nécessaire au bon fonctionnement d'un groupe, celle de tortionnaire me paraît l'être tout autant, malheureusement. T'es pas venu à l'école aujourd'hui? Mon sens d'observation. Tu étais malade? Pas envie d'en parler. Ah, tant pis. Et pour les marques sur ton visage, tu en parles? Quelle marque? Bah, celle qui... Pas de marque sur mon visage, compris? Compris. Du coup, t'as joué à la console toute la journée? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je demande à tout. Comme t'es resté toute la journée chez toi, j'ai supposé que t'allais passer une partie de ton temps à jouer à la console. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ce que je fais de ma journée? Bah, entre amis, on s'intéresse à ce qu'a fait l'autre. De toute façon, je t'aime pas chez moi. Hein. T'étais où? Ici. Toute la journée? Ben ouais. T'as dû sacrément t'ennuyer. Tu peux même dire que je me suis grave fait chier. C'est clair, c'est que t'as pas profité de ce temps pour améliorer ton langage. C'est ce qu'il dit, mon langage? Non, je préfère pas le savoir. Mes oreilles sont assez sensibles, grosso. Tapette. Pardon? Tapette, j'ai dit. Intéressant, le fait que je ne supporte pas une langue vulgaire te fait dire de moi que je suis une tapette. Dis-tu au moins le sens de ce mot, permets-moi de douter. T'inquiète, pas besoin d'être un binocle pour savoir ça. Hein, casse-yeux, la tapette. Je suis peut-être un binocle, mais cela vaut certainement mieux que d'être un gros tas de graisse complètement stupide, hein, bouboule. Qu'est-ce que t'as dit, casse-yeux? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mange tout, ton cerveau engraisserait-il? Je vais te casser la gueule, binocle. Ah ouais, comme ça on aura la même. C'est ça que tu veux, hein? Miranda, t'as peur là, je vais te défoncer! Mais dépêche-toi! Allez! Dépêche-toi là! Allez! Ben voilà! Je t'en prie, arrête! Tu m'énerves! Ah! Arrête! Tu veux plaider mon copain, c'est ça? J'ai jamais vraiment voulu. Bah pourquoi tu traînes toujours avec moi alors?
Je traîne pas avec toi, je te tenais vraiment parce que j'ai pas le choix. Oh. Et crois-moi, si j'avais le choix, tu serais la dernière personne à compter parmi mes amis. Tu peux me laisser entrer? Toujours pas, non. Mais là, ça a rien à voir entre nous deux. Vite, ça urge! Il arrive! Qui ça? Lui, j'ai osé un truc et il doit avoir trop les crocs contre moi. Vite, wake-up! Vas-y, rentre. Si tu l'as pas nourri, ça risque d'être un massacre. T'es sûr que c'était lui? Oui, il était tout au bout de la rue avec la capuche sur la tête. Il avait l'air d'être sacrément d'être énervé contre toi. Ouais. Tu lui as pas donné ton goûter, c'est ça? Si, lui est filé. Alors je comprends pas. Mais en fait, j'ai remplacé le beurre de cacahuète par de la moutarde extra fort. Là je comprends. Il a pas aimé. En même temps. Je suis pas une ordure. Mets-toi à ma place. Si tu veux, on échange les rôles. Faut que ça cesse. 10% des élèves sont victimes. Demain, ça sera moi ou toi? Et toi? T'attends que j'ai la gueule ensemble? Rigoler, il y a du monde. On attend que le dire le levier? J'en peux plus. Et personne dit rien. Et demain, on passe à l'action!